Bonsoir. Lutte contre l'inflation, négociations avec les syndicats. L'automne s'annonce chaud pour le gouvernement Legault. On a beaucoup de défis. Tout ne va pas être parfait à la fin de l'automne. Également ce soir, on croyait s'en être débarrassé, mais la COVID-19 n'a pas dit son dernier mot. Et Justin Trudeau en Inde pour parler d'ingérence étrangère avec les leaders du G20. Il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonsoir. Après la rentrée scolaire, bien, ce sera au tour des députés de l'Assemblée nationale de se rendre à Québec pour le début de leur session parlementaire, leur rentrée, en quelque sorte, la semaine prochaine. Les députés de la CAQ se sont d'ailleurs réunis en congrès pour établir leurs priorités parce que le parti au pouvoir va avoir du pain sur la planche cet automne. Le coût de la vie, la crise du logement, le redressement du système de santé, les négos dans le secteur public, bien, voici quelques-uns des enjeux qui seront abordés en chambre. Je suis pas là pour gagner un concours de popularité. Je suis là pour travailler pour le meilleur intérêt des Québécois. Moi, je prends jamais rien pour acquis, là, puis je fais mon possible avec une équipe qui est extraordinaire. Ça accueille l'analyste politique Antonine Iaccarini. Bonsoir, Antonine. Bonsoir, Sabrina. Dans tout le Royaume-Uni. Alors voilà, eh bien, là-dessus, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Surtout, merci à toute l'équipe de Nouveau Info 22. Pour notre part, bien, on se retrouve vendredi prochain. Alors là-dessus, passez un agréable week-end.